6, 5, bon, 1. Alors, mon monde sera libre. Ils m'ont sous-estimé. Ils vont me mériter. Un monde, 5 héros. Se met à côté d'elle et vous regarde, semble attendre. Ceux qui, alors j'ai envie de dire ceux qui ont histoire ou religion peuvent éventuellement faire un jet. Pour avoir éventuellement un peu plus d'informations. Ok. Bon, vous faites votre jet de côté, je vous donne quand même l'info. Il s'agit d'un esprit primordial, en fait, qui identifie cette demoiselle comme étant clairement une personne qui suit les anciennes voies des religions de la nature. Ah, Donc, je sais pas pour les autres, mais Garrett, lui, n'a ni l'un ni l'autre. Hein. Ah, ok. Je pense pas qu'il Oui, aurait non, su. mais. Donc tu joueras en conséquence en disant que tu ne sais pas quoi, mais ceux qui ont une chance de savoir identifient cette personne comme étant à l'équivalent actuel d'une druidesse en fait. Hein. Mais on va dire que c'est plutôt la version druide de l'époque Cro-Magnon en fait, chez les elfes. Pas sûr que toi de ton côté qui te tape pareil tu puisses savoir. C'est vraiment là, on va dire. La religion druidique est une religion extrêmement ancienne et ce que vous avez devant vous est très clairement en fait encore même une version du druidisme des tout débuts en fait. Hein. Tant que c'est pas lié à l'eau. Si c'était une Alors, créature des mers, je dis pas. ceux qui. Alors, elle se présentera à un moment ou à un autre, elle se présentera comme étant, comme s'appelant Kentari. Et ce Attends, qui attends. en. Kementari, en fait.
Elle s'appelle Kementari. Et ceux qui pratiquent l'elfique comprendront que son nom veut dire reine de la terre. Que moi, quoi. Et elle présentera comme son compagnon. Alors, ceux qui. Alors, je crois qu'il y a un rôdeur dans le groupe, non? Ouais. Donc, le rôdeur, quand elle présentera son compagnon, elle le présentera comme s'appelant Atanol. Et Atanol, en fait, c'est le nom d'un esprit primordial, en fait. Intéressant, intéressant. Donc c'est un des anciens totems qui ont été en fait qui ne sont plus usités par la religion druidique. Mais si ton personnage est rôdeur, tu sais que les anciens druides des temps anciens qui suivaient encore les histoires de totems et tout ce fratras là, qui maintenant n'est plus normalement usité. Il y avait les esprits primordiaux parmi ces totems, et l'un de ceux-là s'appelait Atanol. Claude, est-ce que dans mon village, avant que ce soit les huit qui prennent la pierre pour faire toute la backstory bizarre de Farmiard, est-ce qu'un des anciens qui aurait oublié et que la pierre aurait repris les souvenirs, il y avait un druide qui aurait à peu près les mêmes pouvoirs que j'aurais pu voir en grandissant, par exemple? Ou est-ce que c'est une magie qui est vraiment différente que de la magie de la pierre? Non, tu as pu le voir là où tu as vécu, tu as pu le voir. D'accord. Donc, tu vois que Fermière est plutôt familier avec ton type de magie. C'est la classe de druide, hein. C'est juste comment on appelle ça de nouveau la variante de druide qui est différente, en fait, c'est tout. Mais c'est une druidesse. Oui, mais voilà, c'est pas. Je suis Mmh. toujours à côté de mon petit feu de camp. Elle s'approche. Bien. Les autres à côté de vous? Ah. Okay. Ceux qui sont à côté de l'arbre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Rapproche des autres en disant ça sur du lac ou finis à Gustave et à ton compagnon. Alors, six précisions concernant le gros compagnon, quand même. Il porte, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il porte arc court, rapière et dague. Une précision importante. Et du coup, est-ce que tu te rapproches des autres du côté parmien? Oui, je m'en approchais. Karet dit sa voix haute en élevant la voix. C'est pas forcément adressé à une personne. Une question qui me brûle les lèvres du coup là, quand tu vois Farmer en gros, et je la pose directement au joueur, est-ce que Farmer a participé à la bataille de Mithrilos? Il me semble avec Avec une certaine garde de Proteus. Ben, c'était. Oui, c'est bien ça. On remontait de Norpont, là. Donc, du coup, Non, attends. toi, Garrett, tu me reconnais au loin, de l'autre côté du lac, quand tu commences un petit peu à faire le tour. Il semble Un aile qui tire reconnaître très bien. un elfe qui tire très bien et que tu as aperçu lors de la bataille de Mithrilos. Dans les combats D'accord. de Ok. Bon, alors je vais pas trop. Ok, bon. Bah, Garrett ne réagit pas plus à ta rencontre, en vrai. Mais en s'approchant, je pense que en voyant cependant Mithrilos. les caméras,
Il se stoppe un peu. Je pense que de mon côté, j'ai plus tendance à suivre de loin, à écouter. Elle est dans un lieu inconnu, elle ne connaît absolument pas ces personnes. Elle ne sait pas quelle est la voix qui lui a parlé dans sa tête. Rien ne la rassure. Alors, je ne propose pas à Gareth parce que Gareth lui tourne littéralement le dos. Par contre, Farmiard, Kermantari et éventuellement Kristaps, si tu prends ton temps, vous pouvez me faire un petit jet de perception. Juste pour voir ce que vous Sûr. voyez. Je vois des choses. Mon feu est en train de chauffer. C'est bien. Tu te crames pas. C'est mieux. Je vois mon feu. Pourtant, j'ai plus 6. Kementari, est-ce que tu fais un jet? Un jet de quoi tu veux? La perception? Ouais. Ouais. C'est ça, hein? C'est envoyé. Attends, bah, parce que du coup, je fais aussi un jet. J'oublie Était toujours, un parce que avantage? les pets aussi. Oui, il me semble que j'ai deux ou trois compétences avec avantage avec mon perso. Oh Je me rappelle mieux. ouais, bravo, Joli. bravo à vous. Mais je l'ai mis directement dedans. C'est pour ça que je fais plus. Il faut que je regarde de nouveau ce que c'est, quoi. Alors, lui aussi, il fait un jet. Atano aussi, du coup, fait un jet de perception. Voilà. Donc j'enlève là, faut que je le fasse comme ça, et après du coup. Tu dois donner un ordre ou pas? Parce que je... Mais en fait, lui, il est dans ma tête, en fait. Ah. Et Et je il le fait vois. chaud. Alors, du coup, du côté de Farmia... Alors, du côté de Gareth, tu ne vois absolument rien. Du côté de Farmia et Kerm... du coup, ton père ne voit absolument rien. Hein. Mais Kementari et Farmer, vous voyez juste que l'ami costaud s'est mis face à l'arbre. Vous savez pas ce qu'il est. Par contre, toi, Clisnat, Oui. bah, c'est peut-être parce que tu as un angle un petit peu plus favorable, tu es un petit peu plus proche, mais tu remarques qu'il a sorti une dague et qu'il est en train de graver quelque chose sur l'écorce. Ok. J'ai pas envie de savoir ce qu'il a à faire. Hein. Et du coup, il vous regarde un petit peu de loin, vu que toi, tu le regardes un petit peu plus près, il te fera juste un signe de la tête. Dire t'inquiète. J'ai une petite question. Pour Farmiard, juste rapidement. T'as dit que t'es elfe ou demi-elfe? Elfe pur. Clairement Ok. elfe des bois. Avec un arc long, un carquois fait maison. Du cuir, t'as l'impression qu'il y a un peu quand même, ça a l'air d'être un cuir clouté, mais vraiment fait. Tu te dis, waouh, tout perdu, Land a vraiment fait ses vêtements. Et je pense que d'un coup, Farmière, effectivement, il se rappelle qu'en fait, vu qu'il y a des gens, il faut qu'il fasse semblant d'être sociable. Et donc, c'est ultra bizarre, d'un coup, il se lève, et puis, il se met vers les gens, comme ça, il vient, comme ça, mais il se plante, et il fait, bonjour! Alors, Un pas de plus. Christina, tu peux me faire un jet de perspicacité Je veux bien, ainsi qu'un jet de discrétion, parce que je vais profiter qu'elle a attention pour me planquer. Pour le moment, je ne fais confiance à personne. Non, mais en fait, enfin, ça va être assez simple. C'est juste pour te confirmer qu'effectivement, ce qu'il est en train de faire, l'autre Maou. Il vous cache quelque chose.
J'ai doublement raison de me planquer. Là. Allez. Et je. J'hésite à utiliser ma compétence raciale. Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Moi, c'est Farmiard. Parce que j'ai dit bonjour, mais j'ai pas dit mon prénom, et du coup, je me suis dit peut-être que c'est pour ça que vous parliez pas. Alors, et tu vois qu'en fait, il a absolument aucune compétence sociale, mais vraiment, c'est extrêmement visible. Et qu'il fait ça parce que on lui a dit il y a un jour qu'il fallait faire ça, qu'il fallait se présenter, tu vois, et que ça lui est revenu. Tiens, je vais. C'est marrant, enfin, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu développer ce côté-là de Garrett, Claude, donc tu es un peu surpris. C'est bien votre genre à vous de faire ce genre de tour. Où est-ce qu'on est ? Au bord d'un lac. Très haut dans le ciel. Vous ne sentez pas dans vos oreilles le changement de pression atmosphérique ? Et vous vous rendez compte que quand elle parle, elle a un accent elfique, du vieil elfique. En fait, elle chante presque plus qu'elle ne parle, en fait. Mais comme elle parle en commun, là, ça fait un peu bizarre. N'essayez pas de me retourner le cerveau avec votre voix de persifleuse. Ça ne rappelle pas le persil. Je répète ma question. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, très mauvais timing, il va falloir que j'en appelle. Vas-y. Pendant ce temps, la personne sociale se planque pour des raisons évidentes. Eh bien, on est au bord d'un lac. On est vivant. C'est bien. Ben, vous aviez demandé où on est et j'ai l'impression que vous aviez vraiment besoin d'une réponse. Et vraiment, Farmiard, il va tendre la main de manière très awkward vers Garrett ou vers Harry pour voir. En fait, il y a quelqu'un qui lui secoue la main, quoi. Après qu'il t'ait dit pas un peu de plus. Et si tu continues de t'avancer, il y a rien à dire. J'ai dit, pas un pas de plus. Il met la main. Non. Parce que vous êtes des elfes doux d'Alarion, c'est ça ? Oui, mais Farmiard, il est même aussi. Oui, enfin, moi j'insiste quand même pour dire que mon elfe, elle a beau être une elfe de souffle. Son ethnie est ancienne. Hein. Elle n'a pas du tout la tronche des ailes de souffle, on va dire, moderne, entre guillemets. Pour un site, un noir est un noir. Non, mais. Vous n'avez pas compris. Ce que je veux dire, c'est que vous ne venez pas de t'enlever, c'est ça. Et si on se présentait, hein ? Il paraît qu'il faut faire ça quand on ne connaît pas les gens. C'est bien ça qu'il faut faire, non ? Moi, c'est Farmiard. Et vous, monsieur à la grosse hache, vous êtes ? Pas intéressé. Très bien. Vous parlez à celui qui... Garrett. Et... Ah oui, à Garrett. Garrett. Très bien. D'ailleurs, le gros monsieur, il fait quoi, autre que de gratter sur l'arbre ? Oh ben, il prend un bon petit moment à gratter sur l'arbre. Hein. Il fait exprès, justement, de vous observer de loin. Et il continue de graver sur l'arbre. Est-ce que j'arrive à reconnaître Garrett de Mistentrios ou vraiment Normalement, non. Toi, non. T'aurais été Pelgar l'aurait reconnu. Mais ton farmer là ne le reconnaît pas du tout. C'est le farmer d'Alario. Ouais, tout à fait. D'accord. Je te veux, un Mistentrios. C'était où ?
Est-ce que c'était la fois où... Ah non, c'est pas cette fois. Non. Et tu vois qu'il cherche dans quelle bataille il aurait pu participer ou ça aurait pu être Mésentrios, mais tu vois bien que c'est les prénoms des villes. Bon, après, ça percute pas. Après, Farmer, je sais plus si tu avais eu une discussion avec Felgar déjà sur la bataille-là. Je sais pas s'il en avait parlé. Ah non, probablement. Je pense pas. Je t'ai vu te battre aux côtés de l'Empire Minéen. Et pour ça, je ne dégainerai pas, sauf si tu me donnes une bonne raison de le faire. Bah, tu peux toujours couper un arbre et ça pourrait toujours être une bonne raison. Je ne suis pas d'humeur. Ah, pour me tuer, moi. D'accord, pardon. À faire de l'humour. Ah, mais c'est pas de l'humour. Si tu me demandes une bonne raison, je t'en donne une. Enfin. Bon, bah, vu qu'on est arrivé ici, et que c'est clairement pas là où je suis censé être, vu qu'on est arrivé en dormant, je vais dormir et retourner là d'où je suis. Et tu vois, je secoue une sorte de couverture et puis je commence à m'allonger. Ah. Au moment où du coup tu t'allonges, vous entendez la personne qui est à l'arbre qui arrête de graver. Vous entendez des pas assez lourds qui s'approchent de vous.